Salut tout le monde. Mercredi, il est midi 20, je fais des efforts, c'est de plus en plus tôt. J'ai coupé mes cheveux. Ouais, ça m'a pris dans la nuit, j'en ai marre, j'ai fait le carré. On pourrait croire, hein, rapidement. Par contre, le truc qui est très 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 bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il se coupe tout seul. Parce que forcément, c'est pas moi. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout s'il commence à se péter tout seul. Pourtant, je leur fais des soins, mais bon. À voir. Les racines, c'est plutôt pas mal. Je m'étais dit, oh là là, ça va être une catastrophe, gros contraste, et ça passe. J'ai pas les racines, les racines plus foncées, mais là, on va dire que ça va. Qu'y a-t-il au programme? Alors, au programme, ce matin, nous avons fait la commande Drive et... à notre grande surprise, que s'est-il passé à votre avis? On a passé la commande, nous sommes mercredi, et elle est dispo demain, jeudi. C'est cool, franchement c'est cool. Il manquait, il n'y a qu'un truc qui n'y a pas, c'est du courrier râpé. Et mes petites boules de chocolat, ça ne va pas du tout, donc j'ai pris autre chose. J'ai pris un équivalent. Et on a fini nos glaces hier, puisque on a regardé Netflix. Je vous ai dit, on regardait le 1, 2, 3 Star Wars, on était au 2 hier. Et j'ai fini mes deux derniers pots. C'est des petits pots, mais il n'y en a plus. Et ça va pas, donc on en a recommandé, on en aura demain. Ça fait tellement du bien au moral. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, je vais manger, comme je vous ai dit, il est midi et demi, j'ai faim. Du croque, c'est pas le meilleur, mais ça passe. J'ai fait des œufs hier, donc il me reste un œuf dur. Je vais me couper en deux avec un filet d'huile d'olive et un toast grillé au beurre, ça va être parfait en parlant des œufs. Hier soir, et je peux vous dire que j'étais mais dégoûtée, j'avais, vous savez, la boîte deux familiales où il y en a 12 dedans à peu près. J'en avais pris que deux pour justement échelonner. Descends. Allez. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il en restait bah, 10 à peu près que je range en haut. Au moment où je vais au frigo pour, je ne sais plus, chercher quelque chose. Putain, j'avais mal posé la boîte d'œufs. Elle est tombée. Tous les œufs restants se sont pétés. Alors déjà, c'est galère. Les œufs par terre, à tout enlever parce que ça colle, c'est une cata, mais surtout 8 œufs, pas cool. Pas cool parce que les œufs, franchement, tu peux faire des omelettes, des œufs au plat, des œufs brouillés, des crêpes, des gâteaux, tellement de choses. Putain, faut que je fasse vraiment plus attention quand je dépose les trucs dans le frigo. Y a moyen que tu restes gentil, sans faire les bêtises, derrière le dos de ta mère? C'est bientôt prêt, mais je pense à ça. Vous voyez ce petit coin de lumière, vu que ça manque de soleil, il faut de la vitamine D. Si je me colle au mur, ça fait un apport. Il me paraît qu'il faut mettre ses pieds, ses mains, ça suffit, les paumes même. Mais c'est pas du soleil direct. Comment faire? Parce que dans ma courette, c'est pas possible. Il n'y a pas suffisamment. Oh là là là, tu restes comme ça toute la journée. Est-ce que c'est efficace? Pas sûr. Je crois qu'on pète les plombs. Bon, allez. Non, non. Bon, c'est prêt, je vais vous montrer juste après. Ça m'a l'air trop trop bon. Petite dédicace spéciale à ma sœurette. Je pense fort 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 à toi. Bisous. Voilà mon assiette, petit brunch. Donc les œufs dessus, j'ai mis quoi? Eh ben j'ai mis de vinaigre de truffe, de l'huile d'olive, une pincée de sel, le cordon bleu, très bien, le toast, attention, grillé, et j'ai rajouté tartinade de beurre. Il est 2h20, savez-vous ce qui s'est passé? Je me suis mise à manger. Et j'ai regardé un live en replay, le live de Nolita Camille avec mon petit bikini. Et c'était sur l'entrepreneuriat, vu que, voilà, c'est pas un secret, j'étais, et je le suis toujours, hein, dans l'optique de me lancer. Mais très très bien, ma résultat, j'ai regardé, ça dure une heure. Je vais monter et je vais m'avancer dans ce que j'avais à faire. Il y a également... la continuité du rangement, du tri, comme je disais, c'était pas fini. Même si j'ai bien avancé, il y a ça et il y a également, bah, il faut que je continue l'avancée de mon petit business également. C'est parti pour le montage, histoire de m'avancer un maximum. Parce qu'il faut pas croire, mais ça prend un temps fou. Enfin moi, en tout cas, quand je fais des montages de vlogs, et puis après, tu as aussi tout ce qui est crédit vidéo, la miniature. C'est vrai que je me contente pas de mettre bout à bout, quoi. Il faut qu'il y ait une cohérence entre chaque prise. C'est ça que je voulais vous montrer. Et je reçois beaucoup de propositions de partenaires bijoux. Et c'est vrai que là, j'ai eu, donc c'est cette marque Jolia, qui fait pas mal de marques connues, dont la marque Zag Bijoux. C'est une très bonne marque. Et je crois que je vais me laisser tenter. Donc, ils m'ont demandé de faire une sélection parmi... Ah, ils sont jolis. Parmi tous mes coups de cœur. Et je dois dire que c'est quand même très, très joli. Il y a plein de créateurs. Et ça fait un moment, je crois que ça fait au moins 2-3 semaines qu'ils m'avaient envoyé le mail. Faut que je mette... Waouh, 230€ le bracelet. Et il y a plein de choses assez originales quand même.
Donc je vais regarder ça et puis de toute façon, si j'accepte, je vous montrerai évidemment. Il y a également cette marque qui souhaiterait bosser avec moi, c'est du mobilier. Alors, c'est très chouette sur le papier, mais moi je veux plus prendre pour prendre, entasser. Si ça va m'être utile, par exemple des petits meubles de rangement, pourquoi pas. Mais je peux pas tout accepter quand même. Donc, et en plus maintenant je demande à Eric, j'ai cette marque par exemple qui fait du matériel pour youtubeurs, quoi, des lampes, il me propose de choisir, mais j'ai déjà ça, je vais pas prendre pour prendre, quoi. La softbox, j'en ai déjà deux, la ring light, je l'ai, bon, ça, lightbox, c'est bien pour faire des, mais vous voyez, genre de partenariat, c'est bien, mais je vais refuser, je vais pas mettre en avant ça alors que je l'ai déjà. Alors là, je découvre un nouveau partenariat, ah bah des bijoux encore, voilà, bon, bah pareil, faut que j'étudie tout ça. Alors ça, c'est pareil, je l'ai reçu hier, je crois. Du matériel pour les animaux, c'est un partenariat qui est rémunéré, enfin tu touches un pourcentage en fait, je sais pas, pareil, faut regarder. Bon, vous l'aurez deviné, j'ai bien avancé sur l'ordi, sur mon projet, je peux pas vous montrer parce que si je vous montre, vous allez tout de suite deviner. Et attendez, je vais tirer les volets, c'est pour ça que c'est sombre. J'étais en train de m'endormir littéralement devant l'écran, donc ce que je fais dans ces cas là c'est que je tire les rideaux, je vais dans ma chambre, je m'allonge, 20 minutes, pas plus, et pour recharger les batteries, et normalement après ça va. Mais oh, coup de barre, qu'est-ce que c'est joli l'ensemble. Attendez, faut que je vous montre quelque chose. Vous savez, je vous avais dit qu'il a son petit dodo qui est juste à l'entrée là, de la porte de la chambre, son plaid, et il fait également sa petite sieste, je vous montre. Évidemment, je parle de Jack et pas d'Eric. Quoi qu'Eric, il doit faire ça. Sa sieste, elle se trouve dans son bureau. Attendez, on va regarder discrètement. Normalement, il est là. Vous voyez le petit bout du plaid? Attention, il y a qui t'envoie. Eh ben, c'en est de la repère, il m'a vu. Bon, maman va faire la sieste comme toi. Voilà, il n'a pas pu s'empêcher de rejoindre sa mère. Alors, je veux bien que tu restes avec moi, mais tu ronfles pas par contre. 1h10 plus tard. Je suis complètement suquée. En plus, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que. On était confinés genre depuis un mois et demi, c'était l'horreur. Je sais, c'était pas un cauchemar, c'est la réalité. Ah, la grosse ensucade là. Chérie. Oui. Ah bah toi aussi tu t'es endormie. Oui. Bah moi aussi. Ah bah super, j'allais te dire, j'allais t'expliquer ce qui m'est arrivé et voilà. Je vois que t'es pas mieux que moi. Je vais préparer à manger, il est 7h20. Oui. 7h20. Et bah, dans le même état tous les deux. Lui, c'est ascendeur dans son bureau et moi là-haut. Au moins, on va être en forme pour regarder le troisième volet de Star Wars. Ce soir, ça va être pizza. Donc, moi, pizza au thon. Lui, c'est pizza américaine. Et en dessert, lui, il n'y a plus de glace. Enfin, si, lui, il lui reste sa glace à lui, parce que moi, j'en ai mangé plus. Moi, je vais prendre la glace au citron avec dedans plein de boules de chocolat, de noisettes. Eh oui. Ça me fait du bien. Que voulez-vous? Vous voyez, c'est celle-ci. Moi, les Turini sont très bonnes. Hein. C'est comme les... C'est la même gamme que les docteurs Oshker, un truc comme ça. C'est mes prefs. Et lui, bah voilà. Lui, c'est pâte américaine qui gonfle. Et moi, c'est plutôt la pâte fine. Avec le filet d'huile d'olive et tout. Regardez, tellement pas réveillée. J'ai sorti le whisky pour mettre sur ma pizza. Bien sûr! L'huile d'olive. J'ai préparé le grand plateau tournant. Je l'avais eu chez Ikea, celui-là. Et bah, je mets mes deux pizzas. Pareil pour les petits desserts. Et je transphase dans la salle ciné. Hop. Attention bébé, chaud devant. Regardez les profils. On a chacun le nôtre avec l'icône. Moi c'est Blanche-Neige. Non, n'importe quoi, je peux arriver. Cendrillon et Dark Vador. Et voilà, c'est parti. Bon appétit. Je vais me coucher. Est-ce que vous me voyez? Pas l'air très très net. La soirée terminée, 23h30, un peu plus même. C'était cool, ça fait du bien de déconnecter avec une série, en mangeant de la glace. Ouais, franchement c'est cool. Je vais monter, je vais me poser, je vais me déconnecter des réseaux, mettre en mode avion, bouquiner, pour me lever pas trop tard. J'aimerais bien essayer de tourner une vidéo demain. Donc ça voudrait dire peut-être que pendant 3 jours, que vous aurez une vidéo. Je vous dis peut-être. Je vais faire au mieux. Voilà, je vous fais un gros bisou et vous remercie de continuer à me suivre. Allez, ciao!